et enfin, pour le reste, il faut le télécharger directement sur le site internet. D'accord, merci. Fonctionne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Wano H. Axel et je suis le président fondateur de la société Vaisseau, qui est une agence conseil qui accompagne les entreprises dans le développement de leur stratégie digitale. Le sujet de ce B2B Summit global, c'est l'alignement 360. Et il me paraissait intéressant de partager avec vous un avis sur tout ça, d'ouvrir le débat sur la cohabitation, sur la cohérence, sur la synergie du marketing et du commercial au sein de l'entreprise. Alors, le titre était évidemment un petit peu accrocheur en disant « versus », bien sûr, ce qui n'est très largement pas le cas. Dans la plupart des meilleures situations, on va dire, il y a une cohabitation, voire chacun ignore l'autre en estimant que le métier de l'autre est dans son monde, sert à faire quelques petites choses, certes intéressantes. Le vendeur vend, le commercial vend et le marketeur parle. Bon, ça, on en est là, donc évidemment, j'ai pris cette image de la fermeture éclair. Alors celle-là, elle se veut ne pas fonctionner, si vous voulez, ou fonctionner de manière pas très bonne. C'était l'image de dire, bien, l'entreprise, c'est mon vêtement imperméable, et lorsque d'un côté j'ai le commercial et de l'autre côté j'ai le marketing avec une fermeture éclair, une jonction qui ne fonctionne pas entre les deux, bah, ça marche quand même, bien sûr, mais c'est pas l'idéal. On prend les courants d'air, on prend la pluie et ça agace. Ça ne rend pas efficace globalement ce pourquoi on est là, c'est-à-dire générer plus de business, générer plus d'efficacité. Alors, juste un chiffre, et c'était dans cette présentation de venir à être un petit peu plus percutant. 21%, c'est le taux, c'est le temps que passe un commercial à envoyer des emails. Alors, autre chiffre, ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, il a été cité un chiffre de 73% des entreprises qui avouent que leurs services marketing et services commercial ne sont pas alignés. Donc on est bien dans le cœur du sujet. Et il est évident qu'aller en conquête pour obtenir des parts de marché, aller en conquête pour avoir de nouveaux clients, même pour fidéliser, cross-selling, toutes ces choses-là, évidemment, c'est bien, mais on a un gisement interne, déjà, pour obtenir une plus grande efficacité des services. Alors vous vous doutez bien qu'en l'espace de 10 minutes, on va ouvrir le débat, on va simplement se donner quelques petites idées. C'est un sujet éminemment complexe puisque ça touche à tous les tenants et aboutissants, à tous les sujets au niveau de l'entreprise. C'est ce qu'on abordera juste après. Ah tiens, j'ai pas tout là. Alors, on me demandait de mettre des citations. Alors, j'avais trouvé, vous savez, celle qui est très connue, de Darwin, qui dit que seules les espèces les plus adaptées survivent. Bon, d'accord, ok. Il y en avait une autre aussi qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Alors tout ça sont maintenant devenus des lieux communs sur la synergie qu'on doit dégager entre les services dans les entreprises, entre les fonctions dans les entreprises. Moi j'ai préféré celle-là finalement, d'abord parce qu'elle est un peu plus amusante, et surtout parce qu'elle introduit une notion de temporalité dans les process. C'est-à-dire qu'au-delà des bonnes intentions, il s'agit de savoir quand faire les choses et à quel tempo. Vous savez que les bonnes intentions n'ont jamais rapporté grand-chose. Elles ne restent que des bonnes intentions. Elles prennent du temps, de l'énergie. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Ici, c'est une notion de temporalité et c'est par rapport à l'expérience que j'en ai, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans le CRM. CRM historiquement, petite parenthèse d'ailleurs, qui était le SFA à l'époque, le Salesforce Automation, et qui est aujourd'hui c'est très nettement déporté sur la partie marketing. Et finalement, c'est un signe, c'est-à-dire que même avec la maturité des fonctions, avec la maturité des outils, il y a maintenant cet acronyme CRM qui recouvre, sur une temporalité d'une vingtaine d'années, l'ensemble de ces fonctionnalités commerciales et marketing. J'y viendrai après à propos des outils. Donc, le sens de cette citation, c'est pas de dire qu'il y a une urgence, c'est de dire qu'il faut trouver le bon tempo, le pragmatisme suffisant pour avoir les bonnes actions
au bon moment et au bon endroit à l'intérieur de l'entreprise pour agir sur son organisation. Un tout petit peu plus compliqué, en haut, vous avez, et ça n'est qu'un exemple, hein, ça n'a pas vocation à servir de référence, en haut, vous avez un parcours client type, avec la complexité que ça peut représenter. Avant, c'était assez simple, on disait on est suspect, on est prospect, on est client, on est ancien client, et puis c'est fini, on sort. La maturité de l'approche des marchés nous donne aujourd'hui plutôt quelque chose comme ça. Et encore, il n'est pas complet, complet. Simplement, c'est de dire, on a, sans rentrer dans deux grandes théories, un graphe de changement d'état, et puis avec des pourcentages qui résultent d'une savante analyse opérationnelle des fonctionnements dans l'entreprise et de son efficacité de manière globale, qui permettent de se dire, ben voilà, j'ai des salons, comment je passe, et que de ça, de salon, je deviens un client, est-ce que je deviens prospect en rendez-vous? C'est des choses qui ont d'ailleurs été évoquées dans les interventions précédentes. Ça, c'est vous, en tant que client, en tant que personne, approché par les vendeurs et par le marketing. Et en face de ça, vous avez deux services, deux fonctions, une qui est en charge de marketing, la génération de leads, je vais faire simple, avec un petit peu plus, j'ai détaillé en dessous, évidemment, c'est faire de la qualification, c'est faire de l'enrichissement, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, vous avez le commercial qui, lui, et on l'a dit tout à l'heure, doit gérer, est en charge de gérer, de faire fructifier des leads qui ont été qualifiés et de les transformer. Et tout l'enjeu dont on parle là, c'est cette flèche qui est au milieu, j'aurais dû mettre un gros point d'exclamation ou d'interrogation dessus, qui est de dire comment j'améliore, au-delà de s'envoyer des mails, comment je fais évoluer cette relation-là, l'enrichissement de ce lien entre ces deux services. Alors cet enrichissement, ce lien, il a plusieurs... D'ailleurs, je reviens juste, excusez-moi, vous voyez que le commercial, je lui ai mis... Un demi-cerveau rouge, ça ne veut pas dire qu'il n'a qu'une moitié qui fonctionne, hein, c'est pas ça l'idée, mais c'est quand même, il est câblé, on va dire, pour ça, et puis vous avez le marketing qui, de l'autre côté, est câblé, et là, pour assurer ses fonctions de marketeur. Et c'est de se dire maintenant, quels sont les vrais enjeux, comment je fais travailler ensemble ces deux équipes. Elles ont rassemblé leur cerveau, elles sont allées l'une vers l'autre, on leur a expliqué, et... Le propos aujourd'hui, c'est de dire que ce n'est pas qu'un problème monodimensionnel. C'est une problématique multidimensionnelle avec plusieurs facettes. C'est ce que j'ai mis entre les deux. Vous avez certes les outils qui, au fur et à mesure des années, ont évolué, ont commencé à s'intégrer. Vous avez un grand éditeur, vous savez, c'est celui qui a le petit nuage bleu, qui a fait un gros effort d'intégration en, par exemple, en créant une offre Sales Cloud avec à l'intérieur une offre CRM SFA pour les commerciaux, couplée nativement avec une fonction marketing pour le service marketing de l'entreprise. D'autres l'ont fait aussi, ce qui permet d'avoir une grosse évolution au niveau des outils. Mais pas que. Vous savez comme moi que mettre en place un outil seul, c'est déjà un gros effort, c'est un gros investissement, mais qui n'est que voué à l'échec si on ne met pas en considération, si on ne met pas en face de soi toute la problématique, évidemment, d'intégration. Mais quand je dis intégration, c'était un peu le sens technique des choses. C'est la partie conseil, avec des personnes expérimentées qui ont déjà fait ce genre d'opération-là, pour pouvoir mettre en place et implanter, enfin implémenter, je dis bien implanter l'outil, la greffe au sens greffe, de manière à ce que ça prenne auprès des équipes. C'est aussi une affaire d'organisation, dans le sens où si on ne fait pas suivre les organisations, si on laisse par exemple les données en silo, si on ne mutualise pas l'ensemble des informations, si on ne met pas ensemble les équipes et on ne les missionne pas pour qu'elles travaillent ensemble, il ne se passera rien du tout. À titre d'exemple, j'ai eu, il y a maintenant quelques temps, à traiter un cas client en conseil où il n'avait pas moins de 27 bases clients séparées. Chaque service avait les siennes difficiles à imaginer. Je vois certaines personnes qui disent « Mais comment c'est possible ?» Oui, parce que
tout simplement l'entreprise duquel vous considérez la chose n'est pas la même. Un client, ça peut être celui qui signe le contrat, ça peut être celui qui signe les conditions générales, tous les aspects juridiques, ça peut être celui qui fait la première consommation du service que vous allez lui vendre. C'est toutes ces notions-là, et on était tombé dans un cas, absolument, j'ai pas vu pire, hein, mais où il y avait 27 bases clients. Je vous passe les différents supports, un qui était sur Excel, un autre qui avait fait sa petite base de données dans son coin, le troisième qui utilisait le CRM de l'époque, etc., etc. Donc c'est une dimension organisationnelle. Et enfin, c'est aussi une dimension, évidemment j'ai mis le sens RH, mais c'est de faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire d'arriver, et c'était le sens de mes deux cerveaux bicolores, de faire évoluer la compréhension d'un service par rapport à ce qu'apporte l'autre. Et ça, c'est un élément essentiel où, évidemment, chacun est le nez dans le guidon, à ses propres objectifs, à ses propres performances à assurer. Il n'empêche qu'en ne passant pas par là, on se perd une grosse part d'efficacité sur l'atteinte de ses objectifs. Et ça, c'est quand on considère le marketing et le commercial. Et en guise de conclusion, je vous dirais, il faudrait intégrer également la dimension communication. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être une question pour toi, en public. Oui. Alors, c'est déjà là, vous voyez que deux à deux, c'est-à-dire on prend deux services, il faudrait en rajouter un troisième, et on a un effet multiplicateur, évidemment, d'ajouter le service com dedans. Et c'est très, on va dire, une préconisation qui est un peu une forme de boutade. Mais c'est de se dire aujourd'hui, vous avez très fréquemment, c'est quasiment toujours comme ça, le directeur commercial, le directeur marketing et le directeur de la com. S'ils s'entendent au sein de l'entreprise, tout va bien. S'il y a des enjeux politiques antagonistes, alors là tout va mal, et comme je disais, au mieux, ben, ils peuvent s'ignorer parce qu'ils ont leurs propres objectifs. Et moi je disais, une des précaux, c'est au moins d'arriver à rassembler quelques-unes de ces fonctions, en appelant ça un directeur du développement, un directeur opérationnel de la performance digitale, que sais-je, mais en tous les cas, c'est d'arriver à ce que ces fonctions-là trouvent leur synergie en les rassemblant au sein des personnes. Une autre question, peut-être ? Si vous le souhaitez, de toute façon, je suis dans le hall, et ça sera avec plaisir qu'on pourra débattre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne partez pas, il reste deux talks, et les meilleurs en plus.